Bah, dites-moi, ce match à chaud là, notamment à la fin, je comprends pas pourquoi vous prenez pas les 3 points pour égaliser à 6 partout éventuellement. Comment vous avez géré la fin en fait, parce que... Bah, je pense qu'on était omnibulé par jouer au ballon et voilà, on a oublié l'avantage. Après, il me semble que l'avantage, je sais pas trop, tout à la fin, oui. Il me semble que c'était au niveau de la ligne médiane. Ouais, ouais. Et bon, le buteur n'était pas forcément en confiance aujourd'hui, donc on a préféré jouer, essayer de se rapprocher, avoir un autre ballon, une autre pénalité un peu plus proche peut-être. Pourquoi pas avoir essayer d'égaliser à 6 partout quoi. Ouais, mais sur la dernière pénalité. Ouais, la dernière, il me semblait qu'elle était à ce niveau-là. Vous l'avez joué à la main. Ouais. Il me semblait qu'elle était à ce niveau-là, un peu en coin, elle n'était pas forcément facile. Pour moi, il me semblait à preuve d'être dans le terrain, ça se voit pas pareil. Donc, c'était essayer de marquer l'essai. Oui, voilà, j'ai essayé de marquer l'essai pour gagner, ouais, en fait, tout simplement. Une victoire franche. Oui, voilà, exactement. Parce qu'en cas d'égalité, je ne sais pas où ça va après. Oui, prolongation. Ah oui. Prolongation. Bon, vous avez arrangé le comité alors. Ouais, avec les matchs qui s'enchaînent derrière. Ouais, on aurait aimé avoir une prolongation quand même, on ne vous cache pas, plutôt que la défaite à la fin. Voilà. Et alors, c'est quoi l'actualité sinon à Saint-Pierre-des-Monts? Là, on est. La semaine prochaine, on a le challenge. On est toujours en liste pour le challenge. Donc, bon, on va essayer d'aller attraper ça quand même, ça sera bien. Et voilà, tout simplement. Hein.